Bonjour, bonjour, bon matin. Bonjour, mes impactés. Bonjour à tous. Je suis là pour vous dire merci, merci, merci. Les activités reprennent ce matin. Merci beaucoup, merci. J'en reviens pas. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Merci beaucoup, merci. Mes impactés, je reprends les activités ce matin dans 15 minutes. Je reprends. Je suis là pour vous dire infiniment merci. Oui, merci. Je vois que vous êtes. Oh là là. Oh my God, c'est pas possible. J'en reviens pas. Emma Denizier, la perle de Dieu. Comment vous allez? Je vois que vous allez bien. Oh, Bertine Payette, comment ça va? Daisy Désirée, Bailly, Gina, Younes, oh là là, oh là là, oh là là, tous ces cœurs-là. Je tenais à vous dire infiniment merci. Ouais, il fallait que je vous dise merci. Tous les messages que vous m'aviez envoyés, les messages de réconfort, les messages. Vraiment, merci beaucoup, mamie Meite. C'est le teint naturel. Moi, je ne sais pas où on passe pour faire filtre. Ce que vous voyez là, c'est ma peau. Oh là là, qui m'a envoyé des étoiles? Lauriane Bayrou. Elle me disait que le roi t'a retenu. Il m'a dit, oh, Lauriane Bayrou, il est toujours présent. Oh là là, oh là là, oh là là. Oui, gloire soit rendue. Oui, même la convalescence a été difficile parce que. C'était pas facile. C'était intense, vraiment. C'était intense. Moi aussi, vous m'avez manqué. Oh my God. Je commence demain les activités parce que on a 11 contrats. On a 11 contrats qui sont rentrés. Les employeurs m'ont rejoint. On a 11 contrats. Demain matin, je vais vous faire la vidéo des 11 contrats. Les 15 autres contrats sont déjà bouclés. Donc, on part avec 11 contrats. Mais comme demain, j'aurai pas le temps de vous remercier, tout et tout, j'ai dit, bon, je vais le faire ce matin. Je vais le faire ce matin parce que dans ma convalescence, les messages que j'ai eus, je pense que jusqu'à présent, je ne pourrais même pas les lire, je ne pourrais pas vous répondre. Mais je tenais à vous dire que je vous en suis infiniment gré. Merci beaucoup, ma chère. Qui m'envoie les cœurs, je te vois. Je vous en suis, Lydie Okema, comment vas-tu? Je vous en suis infiniment gré, oui, c'est ça. Parce que c'est dans la maladie, c'est dans l'adversité qu'on voit vraiment comment les gens nous portent dans le cœur. Ouais, franchement, ça dit que la sympathie que vous aviez eue à mon égard, ça m'a dépassé. Je vous le jure, ça m'a dépassé. Et déjà, je vais vous mettre le numéro. Sachez que pour vous qui êtes à Montréal, j'ai déjà reçu des vivres par avion. Donc maintenant, j'ai déjà commencé à vendre le placali. Ouais, pour vos infos immigration et puis pour la bouffe. Ouais, pour info immigration. Ouais. Ouais, c'est ça. Je vais mettre ça avant la fin du direct. Et puis pour toute la bouffe africaine, poisson fumé. Tout et tout, info immigration et vivre africain. Ouais, désormais c'est ça. On passe aux choses sérieuses. Je dis, si tu as fait un an sur les réseaux sociaux, tu n'as pas encore retrouvé tes repères, c'est qu'il y a un problème. Et vivre africain. Moi j'ai retrouvé mes repères. Merci beaucoup. Voilà, je vous mets le numéro pour vous qui êtes ici, Laval, Blainville. Laval, Blainville, Mirabel, Saint-Jérôme, je peux vous livrer. Un peu aussi Montréal, Montréal, Saint-Laurent. Ouais, pas trop loin. C'est sûr qu'on va mettre le prix de la livraison aussi un peu dedans. Hein, parce que quand vous partez chez le Sri Lankais, vous payez là-bas, non? 570, 83, 97. OK. Ouais, merci beaucoup pour les étoiles. Merci. Voilà. Excusez-moi. On prend du jus, on prend du jus les matins, plus de café depuis qu'on prend les antibiotiques. Mes amis, c'est pour vous dire merci. Vous savez, le temps que j'étais malade,
J'ai reçu ça d'une impactée. Je sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est l'impactée de Paris. Ça, c'est une impactée. Je vous en avais parlé, hein. Elle m'a envoyé ça pendant que j'étais sur le lit d'hôpital. Bon, le roi et puis sa fille se sont fait des dents le temps que je revienne. Mais un bon paquet qu'elle m'a envoyé. Voici ça. Il y a du foie gras, du pâté de campagne, il y a un peu de tout là. Elle m'a même mis un petit vin. J'ai dit, mon Dieu, comment tu as pu faire? Et puis le vin est passé. Un code de Rhône. Merci beaucoup, mes impactés. Je tenais vraiment à vous dire merci. C'était ça le but de cette apparition. Pour vous dire que je vais bien parce que j'ai vu que vous continuez à m'envoyer les impacteuses, on t'entend pas. Oui, c'est normal. Quand on n'est pas en santé, on reste en famille et puis on prend soin de sa santé. Donc, là, je vais bien. Je reviens en pleine forme demain. Dès demain, je vais commencer à vous expliquer l'affaire des 11 contrats. Oui, on a 11 contrats qui sont là. C'est là depuis la semaine passée, mais comme j'étais malade, je ne pouvais pas faire de publicité. Donc, les 11 contrats. Comme je l'ai dit déjà, j'ai encore un petit 10 minutes. Ça va être les mêmes conditions. Oui, je m'adresse à ceux qui étaient déjà avec moi dans les 15 autres contrats. Ça va être les mêmes conditions. 46 ans et moins. Un travail déclaré ou pas déclaré. Peu importe, pourvu que tu travailles quelque part et que ton employeur est capable de te fournir une lettre pour dire que tu travailles là. Le bac qu'on demande. Merci beaucoup, merci. Merci à tous, vraiment. Voilà, donc ça va être les mêmes conditions. Vous qui étiez venus dans le contrat des 15, et puis je vous ai donné toutes les informations. S'il vous plaît, ce sont les mêmes informations. Il n'y a pas quelque chose qui a changé d'un iota. Vous comprenez? Je sais que ça coûte de l'argent. Immigrer, ça a toujours coûté de l'argent. Je vous ai dit, même il y a des gens qui font visa visiteur, on leur demande 3 millions, 2 millions. Donc, ça veut dire que immigrer, ça a toujours demandé de l'argent. Donc, je respecte ceux qui viennent prendre les informations. Et puis, après, ils viennent me dire, l'impacteuse, ce n'est pas possible. Je vous respecte dans toute votre entité parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Cependant, si je t'ai déjà donné les informations, oui, c'est ça. Si je t'ai déjà donné les informations, que tu n'es pas encore prêt pour les 11 contrats là, pardon, faut passer comme un taxi déjà plein. Parce qu'on n'a qu'à gagner temps. Oui, hein, j'étais malade là, j'avais mon infection au rein qui m'a cloué au sol. Mais après ça là, il y avait aussi parler, 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 parler. Les mêmes informations là, je vous donne. Vous partez, vous revenez, je reprends encore. Je sais que là-bas, on vous arnaque. Je vous ai dit qu'on est trois personnes dans ce processus. Il y a moi, l'impacteur, ce que vous voyez. J'ai mon collaborateur qui est en arrière. Il y a l'avocat qui est dedans. Nous tous là, nous sommes des citoyens canadiens. Il n'y a pas quelqu'un qui veut perdre sa citoyenneté canadienne pour une affaire d'escroquerie ou bien pour une affaire de quoi que ce soit. Je vous ai dit que moi, on met la citoyenneté ivoirienne, on met canadienne. Moi, je prends canadienne parce que c'est elle qui m'arrange. Donc, je ne peux pas hypothéquer ma citoyenneté pour votre affaire de non, on a peur. C'est normal que vous ayez des craintes. Mais quand je vous explique, je vous donne les informations, je vous explique jusqu'à ce que mes nerfs même soient tirés. Et puis après, vous revenez encore, s'il vous plaît. Si j'étais déjà parlé dans les 15 contrats, je t'ai donné les informations, tu es parti. Tu m'as jamais donné signe, c'est correct, il n'y a pas de problème, je respecte ça. Mais ne reviens pas encore. Mais demain, les informations, parce que les informations n'ont pas changé. Ce sont les mêmes informations. Le même montant que je vous avais dit dans les 15 contrats là. C'est ce même montant-là que je vais vous dire encore dans les 11 contrats demain. Je vais vous expliquer. La vidéo sur, comment on appelle ça, les frais gouvernementaux. Oui, j'ai eu beaucoup de soucis avec ça. Bien que cette vidéo-là soit sur ma page. On continue de me demander la vidéo parce que le montant que je vais vous donner dans le inbox, les frais gouvernementaux, les frais annexes ne sont pas inclus. Donc, je vais remettre cette vidéo-là à la surface ce soir sur toutes mes chaînes. Je vais la remettre parce que demain, quand je fais la vidéo, je vais encore expliquer. Je n'ai pas de problème pour expliquer. Mais mon seul problème, c'est quand je finis de t'expliquer et tu me reviens avec la même information. C'est pour ça que je dis cette fois-ci-là. Si dans les 15 contrats, on s'est parlé, on s'est tout dit, et puis il n'y a pas eu Choroya là-bas, là, faut passer comme un taxi qui est déjà plein pour cette fois-ci. Il y a gagné temps. Quand on s'en va,
payer quoi que ce soit là. Le vendeur, il va te demander, tu es venu en prospection ou bien tu es venu pour un achat. Et puis, c'est toi qui vas lui dire non, je veux juste regarder. Il va te donner les informations, toutes les informations. Il va te donner. Maintenant, si tu reviens encore demain encore pour dire non, je suis venu en prospection encore, ben, c'est sûr qu'il ne va plus t'accorder du crédit. C'est dans ce cas-là que je me suis retrouvée avec vous. J'ai expliqué. Expliqué. J'ai tout dit. Il y a des jours ici, j'ai dormi à 4 heures du matin à vous expliquer. Cette fois-ci-là, je vais aller à l'essentiel. Je vais aller à l'essentiel. Ouais, moi aussi, j'ai besoin de. Ça veut dire, surtout que je sors de maladie, il faut que j'y aille doucement. C'était ça. Donc, demain matin, à cette même heure-là, là, il est 6h54, à 6h, heure de Montréal, comme a dit quelqu'un, l'impacteur, s'il te plaît, faut prendre le temps pour bien nous expliquer, faut pas être distrait pour rentrer à gauche. Non, je ne serai pas distraite. C'est d'ailleurs pour ça que je suis sortie ce matin, pour vous dire merci. Merci pour les étoiles que vous m'envoyez, pour vous dire merci. Merci. J'ai vu que vous êtes humain, j'ai vu que vous êtes aimable. J'ai dit que ce ne sont pas mes impactés que j'insulte en direct là. Jamais. Pas mes impactés sont vrais. Mes impactés, quand ils m'envoient des messages, c'est des messages humains. La preuve, de l'hôpital jusqu'à aujourd'hui, des messages humains, pas des messages niamselets, des messages des gens qui se soucient. L'impacteur, on ne t'entend pas. Tu es sûr que la convalescence, ça va bien? Oui, ça allait bien. Les débuts ont été difficiles, les 3 premiers jours. Vous connaissez le roi, non? Il voulait me faire du chantage un peu avec sa fille. Il dit, oh, c'est qui, c'est Dieu, vraiment, c'est ça l'Occident, oh, ma femme est malade, qui va me préparer ma petite sauce claire que j'aime là? Moi, il dit que, mais moi, je peux te faire ça avec un poisson, je mets 2 litres d'eau, et puis tu auras ça pour 2 jours avec une tomate, plus si tu aimes le piment avec des piments. L'arrière, on dit, est-ce que depuis que tu es petite, je t'ai une fois fait du mal? Elle dit, non. Elle dit, mais plus tu te plains. Je lui ai dit, mon cher, faut te plaindre, mais pizza, à frites là, tu as mangé ça forcé. Donc, il a mangé ça pendant 3 jours ici. Et puis après, tranquillement, je me suis remise, mais il m'a beaucoup accompagnée dans la convalescence. Merci beaucoup. Encore, oui, il voulait me faire un peu le petit chantage, comme d'habitude. Oh, j'ai trop travaillé, oh, tout mon corps, oh, qui va faire la petite sauce claire? Wendy a dit, je peux te faire ça avec 2 litres d'eau. Là, tu en tourneras pour 3 jours. C'est ça, il était là, il dit, mais est-ce que je t'ai une fois fait du mal? Quand il a dit ça, ça m'a fait pitié. Là, c'est ça, donc en quelque sorte, c'est ça, c'est pour vous dire que Monique AZ est de retour, je suis là. La maladie, ça fait partie de la vie de tout être humain, c'est comme ça, il ne faut pas voir toujours le diable partout. Non, non, tout va bien. Merci encore à toi, mon impacté, qui m'a envoyé, comment on appelle ça? Félie. Qui m'a envoyé tout ces pâtés là, j'en reviens pas là. Donc, c'est en quelque sorte, c'est ça. On dit, il y a une petite information que je voulais passer. Ouais, je me suis ennuyée de vous, je me suis vraiment ennuyée de vous. Donc, c'est ça, désormais, vous voulez acheter les vivres, il y a la tieke, il y a le plakali, il y a le poisson, il y a le djunglé, il y a tout, tout, tout. Mais dans le vivre prochain, c'est-à-dire le conteneur qui vient là, il y aura des escargots, il y aura tout. Je suis prête à aller vous livrer dans les zones que j'ai citées. Saint-Laurent, vous qui êtes à Montréal, à partir de Saint-Laurent, Laval, Mirabel, Blainville, Saint-Jérôme, je suis prête à aller vous livrer là-bas les soirs après mon travail ou les samedis. Ensuite, comme cet été, je ne voyage pas, je vais vous faire le poisson à l'étouffée. Sur commande, poisson à l'étouffée dans les feuilles d'attiéké là, comme on fait au pays là. J'ai bien fait ça. La personne qui commande, tu fais une avance et puis je viens te livrer propre avec une boule d'attiéké. C'est ça. Voilà. Oui. Déjà, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Je vais vous donner les premières conditions déjà. Je vais vous déjà donner les premières. Mais demain, je vais expliquer. J'ai bien expliqué. Parce que c'est une affaire d'immigration. C'est une affaire, c'est du sérieux. C'est des gens qui investissent dedans. Par exemple, il y a quelqu'un qui est venu, mais on m'a dit que Arima ne marche pas. Pourquoi tu dis? J'ai dit que Arima avec offre d'emploi. Arima avec un contrat. Demandez à tous ceux qui font, demandez à tous les conseillers d'immigration. Arima avec une offre d'emploi, ça fonctionne. Mais c'est quand il n'y a pas d'offre d'emploi, tu fais 1 an, 2 ans, c'est ça. Ben, j'ai fini par comprendre. Parce que je vous donne les informations. Je vous donne les informations. Mais quand vous venez vers moi, l'impacteuse, la femme qui habite ne communique pas avec nous. Mais la femme qui habite là, moi, c'est pas ça, je suis passée. Quand tu rentres là le premier jour, on te fait payer d'abord
les informations qu'on va te donner, on va te faire payer. Je crois que c'est, à l'époque, c'était, je crois, 100 000 francs, ou bien, je sais plus, 60 ou 80 000. Mais après ça, là, eux, ils t'ont déjà donné les informations. Mais tu n'as pas toujours revenu. Même le collaborateur, comment ça fonctionne? Quand moi, je vous venais, c'est moi l'impacteur qui vous donne la plus grosse partie des informations. Je vous donne même quasiment toutes les informations. Parce que lui, il me donne les informations. Moi, je viens, je vous donne. Je vous explique tout, 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 tout. Quand je vous donne le numéro du collaborateur, là, ce n'est pas pour que vous ayez encore lui faire un interrogatoire serré. Ah, oh que oui. Le pauvre monsieur, il a souffert. Lui aussi, il est l'enfant de quelqu'un. Il a souffert. Il m'a dit, à quel point il me dit, mais Monique, est-ce que tu parles au moins à tes impactés? J'ai dit, je leur ai donné toutes les informations. Quand vous allez chez mon collaborateur, là, c'est parce que les informations que je vous ai données vous ont convaincu. Donc, vous allez là-bas maintenant pour faire le saut. Quand j'ai dit le saut, c'est lui qui vous donne le contact de la dame chez laquelle vous faites le premier acte financier. Mais là-bas encore, il vous explique. C'est un monsieur qui est très, très respectueux. Vraiment un monsieur avenant. Comme je vous ai dit, nous sommes des citoyens canadiens. Donc, nous, on n'est pas ici pour hypothéquer nos citoyennetés ici. Il vous explique. Quand il finit de vous expliquer, vous dites, bon, ok, il n'y a pas de problème. Donne-moi le numéro où je vais aller faire le dépôt. Là-bas encore, la femme, là, elle est comptable. Elle n'est pas d'affaires d'immigration. Elle n'est que notre représentante là-bas. C'est une comptable simple. Là-bas encore, vous partez poser la question à tel point qu'elle a dit que je ne veux pas que vous m'envoyez des gens qui ne sont pas prêts pour le paiement. Moi, je suis comptable. Moi, je ne suis pas immigration. Moi, je ne suis pas l'impacteuse. Moi, je ne suis pas le collaborateur de l'impacteuse. Moi, je suis que la personne qui prend l'argent et puis il fait une décharge. Vous quittez là-bas encore. Vous revenez encore chez mon collaborateur, s'il vous plaît. Nous, on est en Amérique ici. On n'a qu'à gagner temps. C'est ça, aujourd'hui, mon message, avant de vous expliquer les choses demain. Ce soir, je vais remonter la vidéo des frais gouvernementaux. Je vais la remettre à la surface pour que vous, pour ceux qui sont intéressés, vous allez l'écouter d'abord. Donc, quand je fais la vidéo demain, vous allez comprendre. Sur ce, merci beaucoup. Merci pour tous vos messages. Merci pour les étoiles. Merci. J'ai été vraiment touchée. Vous êtes humain. J'ai compris que ce sont mes impactés qui sont toujours sur mes directs. Ceux qui viennent pour poser les mauvais commentaires, comme je les appelle, c'est les taupes, c'est les perdus, c'est les miséreux des réseaux sociaux. J'ai fini par comprendre ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Vraiment, bisous à vous. Je ne sais pas comment vous dire. C'était vraiment touchant de votre part. Tous les messages que vous m'avez envoyés, si je n'ai pas pu répondre, ce n'est pas manque de temps parce qu'il y en avait beaucoup. Ciao, ciao. Il est 7h, je commence mon travail. Au revoir.